Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un collier. Oui, c'est ma lutinette Eve. Pour celles qui me suivent, vous savez que tous les ans, elle vient par le courrier m'offrir un collier de Noël. Et je suis mais encore toute excitée. Vous avez vu mon beau sapin, mon calendrier de l'Avent Kinder, il est là, là. Ah, c'est pas évident, là, voilà. On est le 1er décembre et je n'ai pas encore ouvert. D'ailleurs, Fred, il m'a dit ce matin, mon loup, on est le 1er décembre. Oui, et le calendrier de l'Avent, c'est pas pour toi. Donc voilà, donc il m'a aidé à ouvrir le colis de F, parce que vous savez que je suis toujours un petit peu handicapée. Donc voilà. Là, il est parti bosser. Du coup, je l'ai mis à côté de moi parce qu'il est lourd, lourd, lourd. Et en fait, quand j'ai ouvert le colis, donc tout est bien emballé. Je vais essayer. C'est pas évident d'une main. Vous voyez ? Et je me suis dit, en voyant ce qu'il y a dedans, je me dirais, on dirait un calendrier de l'Avent. Et j'ai ouvert sa petite carte qui est remplie d'affection. Et j'ai eu plein d'étoiles qui me sont tombées dessus. J'adore. Et voilà, sa carte, elle est vraiment mais magnifique. Et donc j'avais raison, donc cette année, elle a décidé en fait de me faire un calendrier de l'Avent. Je suis, mais vous pouvez même pas vous imaginer, comme une gamine. C'est un truc de malade. Et oui, je serai toute seule pour les fêtes de Noël. Donc normalement, le 24, Peter Pan serait là. Je dis bien normalement. Bah, il y a aussi sa famille, hein, donc voilà. Et le 25, bah, je travaille, de toute façon je travaille jusqu'au 27, bah, normalement je vais aussi chez ma maman. Et à l'intérieur de cette jolie carte que je vais aller mettre tout de suite, comme tous les ans, je mets toujours des cadeaux de Eve à chaque fois dans mon sapin. Pour celles qui étaient sur Instagram, pas sur Instagram, sur Facebook, attendez, j'essaye. Je vais vous montrer, je vais vous rapprocher au niveau du sapin. Là, ici, c'est un cerf, un caribou, vous voyez. Et c'est Eve qui me l'a offert avec, il y a d'autres petites choses, là, le petit bonnet. Et donc, tous les ans, en fait, mon sapin, bah, voilà, c'est une pensée pour elle aussi. À chaque fois que je le fais, je mets toujours ces décorations dedans. Et donc, je disais qu'à l'intérieur, et là, j'ai fait « Ah !» Heureusement, vous ne m'avez pas entendu, je vous aurais débouché les oreilles. Je suis trop happy, mais vraiment happy. Et tous les ans, elle m'envoie des stickers. L'année dernière, c'était la Reine des Neiges. L'année d'avant, il y avait aussi la Fée Clochette. Et là, c'est, regardez-moi ça, Marilyn Monroe. Et je les ai économisés, ceux que tu m'as envoyés. Je ne sais plus c'était en quelle année. Ça fait 4 ans maintenant que je suis sur YouTube. Hein. Ouais, 4 ans, donc j'ai chaud. Donc ouais, je les économise, mais j'en mets toujours pour aller au boulot et tout. Et là, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont trop, trop beaux. Regardez-moi ça. Ils sont vraiment, mais superbes. J'adore, j'adore. Ceux-là, ils sont vraiment très originaux. Donc voilà. Alors, je sais que vous aimez bien en plus. Parce que, ben, comme je vous ai dit, c'est pas pour montrer ce que j'ai. Bien sûr que je le montre, hein, voilà. C'est surtout pour que la personne, je l'ouvre avec elle et qu'elle voie mes émotions. Parce qu'on peut très bien ouvrir un colis, dire merci, basta. Et non, moi, j'aime pas faire ça. Alors, je retrouve, c'est trop bien enveloppé, pour te relaxer. Et ça, j'en suis sûre et certaine, ça va être un livre de coloriage. D'ailleurs, tous mes coloriages sont en bas, mais là, ben, je peux pas. Fred et Siemi. Ouais, après, il regarde la télé, hop, il me choure un truc. Et là, vous allez vous dire, non mais montre, 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 montre. Bah non. Excellent. Vous allez dire une vraie gamine, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais regardez mon livre de coloriage, c'est la fée Clochette. J'ai plus de voix, je suis désolée, j'ai plus de voix, tout va bien, de toute façon c'est dans la continuité des choses. C'est la fée Clochette, je suis trop contente. Oh la vache, oh pardon. Oh, génial, génial, génial. Alors là, 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 je peux te dire que dès que je retrouve ma main, elle y a droit elle. Elle a droit à mon crayon dans le derrière, la fée Clochette. Merci, merci, merci Maëlle.
Alors, je vois ce qu'il y a autour. Oh, punaise, je vois. Ah non, bah alors là, je vous le montre parce que je le vois. Ah, j'ai jamais goûté de cette marque-là. Oh, tu m'as remis le nougat. Non, je l'avais acheté suite à toi que tu m'avais dit, je sais plus. Trop génial. Orange, noir, j'adore. Et nougat, j'adore. Ensuite, t'as vraiment fait ça trop bien. Pour une super vidéo avec Peter Pan, bon courage. Oh punaise. Oh punaise, si c'est un truc à ranger. Excusez-moi, ça me gratte, je viens juste de prendre ma douche et... Ah, comme je peux pas me coiffer, je les ai mis à plat. Puis j'ai mis un peu de laque et... Si c'est un truc à manger, et lui, non mais en fait, il est parti, donc je peux le dire. Oh, de toute façon, je pense pas qu'il regarde cette vidéo, il regarde plus Céline, il vient boire un café avec moi. J'ai l'intention de faire le challenge Jelly Belly, les trucs dégueulasses là. Mais les trucs dégueulasses. Et aussi de faire Candyson. Alors Candyson, j'ai voulu passer une commande, mais il refuse mon Paypal. Je sais pas ce qu'il a, lui, donc je reste intérieurement. Parce que Fred est très sensible au niveau des goûts. Et monsieur, il joue le grand, quand il mange les têtes brûlées, il dit que ça pique pas, lui. J'aimerais l'avoir. Oh punaise! Oh punaise, que ça va arriver plus vite que prévu! Oh. Alors là, trop fort! Je sais pas quand est-ce qu'on va là. La tournée, Maël, cette vidéo-là, mais ce sera une dédicace. Et franchement, ça fout tous les boules, hein, parce que j'ai vu... Ah, il y a celui-là qui a vomi. Oh, putain. Oh, polonaise, pardon. Non, mais bon, voilà. Et, oh, la vache. Chaussettes puantes, gazon, œufs pourris, dentifrice, nourriture pour chien, mais t'as pris le pire. Crotte de nez, vomi. Oh, la vache. Ah, par contre, je rigole, mais c'est moi qui vais me taper tous les pires. Merci beaucoup. Merci. Et je vais le faire, je vais en racheter aussi parce que Lily, elle veut le faire. Elle s'éclate, elle va sur les vidéos sur YouTube puis elle regarde aussi. Et du coup, un soir, on était sur le lit et puis d'un seul coup, je l'entends rire. Elle vient, elle dit « Maman, faut que tu regardes ça ». Et puis, c'était deux jeunes. Et puis, il y en a un, l'autre, je sais plus ce qu'elle lui dit. C'est sa cousine, je crois. Et puis, lui, il lui dit, t'es gogole dans ta tête, comme ça. Et elle est partie, mais dans un délire. Puis, elle me dit, maman, elle me dit, faut qu'on le fasse. Et je dis, mais Lily, tu sais, c'est pas très bon, hein. Et du coup, j'ai jamais l'intention de le faire avec tous les deux, de toute façon. Donc, déjà avec Fred, c'est sûr. Merci, Maëve. Alors là, c'est pour ma Lily. Merci beaucoup. Je vais lui mettre en dessous, là. Parce que je vais faire tout. Et j'ai des étoiles partout dans l'appartement. Partout. Et là, c'est un calendrier de l'Avent. Je sais même pas comment il se déroule, comment je vais faire. C'est énorme. Oh, tu m'as mis des étoiles. Oh, il est énorme ton calendrier de l'Avent, Eve. Je sais pas quoi. Oh là là. Oh, comment je vais faire, maman? Puis je suis toute seule là. Oh mon dieu, mais c'est trop bien fait. Oh là là. Attends, c'est quoi tout ça, ce qu'il y a dedans? Oh, je vous montrerai ça après parce que là, c'est énorme, énorme. Alors attendez, je vais baisser la caméra, vous allez voir sur mes genoux, je peux pas avec mon poignet, je suis désolée. Donc, je vais regarder dans le retour caméra, si vous voyez. Regardez-moi ça, donc c'est des petits Papa Noël et dedans, regardez. Et dedans, il y a plein de petits présents. Là, j'ai un bonhomme de neige. Oh, c'est trop magnifique. Là, j'ai un cerf. Oh, c'est vraiment génial. Génial. Ah, il y a les jours en plus. J'avais pas vu. Regardez, le jour 20. Alors, comme on est le 1er décembre, peut-être que je vais essayer de trouver le premier. Et si je le pose à côté de moi, j'ai peur de tout casser. C'est trop bien fait, le 7. 17. Le 12. Le 4. Le 5. Il va falloir que je le mette le 6. Que je l'étale, quoi.
C'est vraiment génial. Le 9, 8, 11. C'est super bien fait. Le 1. Voilà le 1. Et j'ai encore plein d'étoiles. Voici le 1. Et c'est génial. J'ai jamais vu ça nulle part. Ah, puis en plus, ça... Et non, mais... C'est vraiment super. Merci, merci beaucoup, Eve. On va remonter la caméra. Hop. Donc voilà, donc du coup, j'ai coupé. Parce que c'est vrai que c'était tellement lourd et les paquets sortaient. Et j'ai été le placer, vous voyez, là-bas. Donc en fait, ça fait tout le long. Hop, tout le long comme ça. Ah, c'est pas évident, voilà. Donc j'ai tout placé. C'est vraiment trop génial, quoi. C'est... J'adore, c'est vraiment trop fort. Trop, trop, trop fort. Et du coup, dans le colis, donc on avait des petites étoiles bleu turquoise et j'adore les étoiles. Donc pareil, ça va aller dans mon sapin. J'ai été mettre aussi une décoration de Noël. Donc j'ai fait ça. Alors attendez, je vais avancer. Je sais pas si on la voit. Elle se trouve juste là. Hop, je vais vous montrer. Là, petit cœur avec un petit oiseau. Hop. Voilà. Et bien sûr, la gourmandise prend le dessus. Donc, il y a des 40 sacs. C'est des gros, c'est des géants. Moi j'adore, ça me rappelle quand j'étais petite, je me souviens quand ma grand-mère elle m'avait emmenée en Alsace et à la gare, vous savez, il y avait des tirettes et du coup c'est là que j'ai connu les 40 sacs et j'ai toujours aimé les 40 sacs et Eve elle adore ça aussi. De toute façon, Eve, on se verrait toutes les deux, on boirait un café et je crois qu'on ferait que de bouffer. Et là, m'a mis un truc, Bubble Bliss Bomb, je ne les connais pas, extra acide. Alors ça, je peux vous dire, ça doit vraiment arracher. Là, je ne vais pas goûter parce que j'ai la gorge qui me pique, qui me gratte. Regardez-moi ça. Pardon. Regardez, ça doit être vraiment... Il y a même la petite lune qui s'est collée dessus. Ça doit être vraiment trop génial. Et donc, j'ai ouvert mon petit premier jour... On est le 1er décembre, donc j'ai été ouvert. Et bien sûr, vous le savez, j'adore la guimauve. J'adore ce produit-là. Je l'aime d'amour. C'est un produit qui sent vraiment trop, trop bon. Ça reste un peu sur la peau, pas beaucoup, parce qu'en fait, faut mettre le lait, faut mettre tout ça. Simplement le gel douche, ça reste pas trop. Mais quand on met tout, même le parfum, ça, par contre, ça sent trop bon, quoi. C'est vraiment trop génial. Regardez-moi ça. Donc la petite Lily, son colis, il est en dessous aussi. On est vraiment gâtés, quoi. C'est vraiment génial. C'est féerique, c'est Noël, c'est trop fort. Donc voilà, je vous le redis encore. Je sais que vous aimez quand j'ouvre mes colis en direct. Pardon. Donc ça vous donne des idées. Regardez-moi ça. Jamais j'ai vu un calendrier de l'Avent comme ça. Et l'année prochaine, en fait, je vais m'en resservir pour Lily. Je lui ferai un calendrier de l'Avent dedans et comme ça ça changera et c'est génial. C'est la première fois que je vis ça en fait. J'ai toujours eu des calendriers de l'Avent comme là, comme au chocolat, mais un comme ça en tissu ou à faire soi-même ou autre, jamais. Et c'est vraiment génial. Je pense que tu as dû vraiment te faire plaisir à le concevoir, à le préparer. Il est vraiment magnifique, quoi. Donc dites-moi en dessous la vidéo si vous souhaitez découvrir tous les jours avec moi. Par contre, je ne vais pas vous le filmer, je pense que je le ferai en vidéo. Donc si je loupe deux jours ou autre, j'ouvrirai et je vous le mettrai sur Facebook. Hein. Je ferai des petites vidéos tous les jours, mais je vous les mettrai sur Facebook. Ou je ferai un petit montage sur YouTube, je verrai. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Et c'est vraiment génial, je suis vraiment trop contente. Eve, je te remercie vraiment énormément. Tu sais très bien tout ce que je pense, c'est vraiment génial, tu pourrais pas me faire vraiment plus plaisir. Déjà comme je dis, dès que je vous ai en dessous les vidéos ou sur Facebook ou autre, pour moi c'est énorme, c'est vraiment du partage. Et vous,
Vous m'apportez énormément et c'est vrai que beaucoup me disent ouais, tu mérites. Ben, j'ai pas fait ma chaîne pour mériter des cadeaux. Certes, c'est un investissement, la chaîne, dans beaucoup de choses. Mais non, si je fais ça, c'est par passion. Après, je l'ai enfin compris parce qu'au départ, j'avais du mal à comprendre quand je recevais moi. J'ai toujours donné, mais recevoir, c'est plus difficile pour moi, je peine. Et j'ai enfin compris, et c'est grâce à mon amie Sandrine Ferry Makeup qui m'a expliqué que du fait d'être tellement généreuse et que ben voilà, et puis même ma maman m'expliquait que ben les abonnées aussi, certaines, c'est comme ça qu'elles ont envie. De faire plaisir et de redonner quoi. Voilà, moi, Eve, c'est sûr que c'est beaucoup, enfin, plus qu'une abonnée, c'est pas pour... Ça a été une abonnée, mais c'est plus une abonnée, hein. C'est vraiment une copine virtuelle, une copine virtuelle avec qui j'aime beaucoup partager et qui est vraiment géniale. Enfin, moi, je sais qu'elle m'apporte beaucoup. Là, ça fait d'ailleurs très longtemps qu'elle ne tourne plus de tuto nail art et je trouve ça dommage parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et Eve, je sais que tu vas me regarder, donc ça serait bien que tu reprennes un petit peu. Et je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne. Je vous la mets en barre d'infos. Et c'est vraiment top, quoi. C'est une femme qui donne. Et comme toutes mes abonnées qui sont sur ma chaîne, on n'a pas besoin d'être 10 000. Juste déjà, le nombre qu'on est, c'est énorme parce que vous me donnez vraiment beaucoup. Et il y a un échange, il y a un retour, et c'est ce que j'aime. Voilà. Et si je savais chanter, mais ça je le laisse à ma sœur, je vous aurais chanté Chicken Bell, mais vu la voix de que j'ai, ça craint pas. Donc sur ce, je vais aller ranger tout ça. Je vous promets, je n'ouvre pas. J'ai ouvert le premier. Oh, voilà. Je ne mange pas de bonbons non plus. De toute façon, là, je ne peux pas. Le chocolat, il va aller dans... non, je ne vais pas le mettre dans mon frigo, celui-ci. Il est dans mon... dans la cuisine. Mais je vais être très raisonnable là. J'ai une hâte. Ouais, alors cette vidéo-là, ça va cartonner. Et puis mon petit coloriage, enfin mon grand coloriage, c'est trop génial. Et en plus, l'autre fois, je l'ai regardé. Je lui ai dit, oh Sandrine, quand même, t'abuses, tu vas pas te prendre un coloriage de la fée clochette. Puis elle me dit, bah, vas-y maman, tu t'en fous, t'aimes la fée clochette. Oh, j'ai dit, non, Mimi, quand même. Qui c'est qu'a son coloriage de la fée clochette? C'est moi. C'est moi. On a le droit de rêver. On est bien dans notre monde imaginaire, surtout en ce moment. Ça fait du bien de partager des moments comme ça, des moments chaleureux. Je vous fais plein de gros bisous. Merci Eve. Je t'envoie mille, des millions d'étincelles de fées, de poussières, de bisous. Et à vous aussi, merci pour tout. Smile and zen.